Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. Tenno brise le silence après la vidéo de son show avec Eunice. Ma plus grande erreur. Quelques jours seulement après la diffusion de son show avec son ex-chérie Eunice Zounon, Tenno est finalement sorti de son silence. Dans un message en story sur sa page Facebook, il s'est exprimé sur l'affaire qui choque depuis plusieurs jours déjà la toile. Le couple des stars Eunice Zounon-Tenno était très envié par beaucoup de personnes. La relation qu'on pensait parfaite a malheureusement volé en éclats. Il y a quelques semaines, des messages postés sur la toile par les deux Totoro montraient déjà que plus rien n'était comme avant. Et la vidéo du show entre Tenno et Eunice Zounon sur les réseaux sociaux a confirmé le malaise qui existait déjà dans la relation. Beaucoup de personnes et de personnalités ont été choquées de voir des célébrités venir ainsi. Des influenceurs comme Camille Makosso, Apuchu National et Justin Crepingondo, des artistes comme Karine Nastid, Vedaya, Charlotte Dipanda, Manibela, le bénévole Hassan Hayek, etc. se sont prononcés sur l'affaire. Cependant, les internautes et la population attendaient impatiemment la version du couple. Et c'est finalement Tenno qui s'est jeté à l'eau le premier, bien que Eunice Zounon a déjà également demandé pardon à ce dernier. Le rappeur camerounais, dans un message posté en story sur sa page Facebook, a subtilement exprimé son ressenti. « Ma plus grande erreur a été de dire oui à ma mère quand elle a dit non », écrit-il. À travers ce message, Tenno semble regretter d'avoir entamé une aventure amoureuse avec la web comédienne ivoirienne. Pendant ce temps, Eunice Zounon, qui a changé via Facebook avec Apuchu National, fait savoir que seul Dieu pourvoira à ses besoins. Elle a aussi déclaré au groupe Zouglou, VDA, de ne plus recommencer en leur demandant de s'asseoir à leur projet musical intitulé Bloqué Cardina sur la jam entre elle et Tenno qui a fait le buzz sur la toile. Alors pour continuer, Tenno affirme « Quand j'ai présenté Eunice Zounon à ma mère, elle n'était pas du tout d'accord pour notre relation. Elle m'a appelé dans la chambre et m'a dit « Mon fils, cette fille, elle ne te mérite pas. Je la vois de loin, je suis une femme, je suis une maman et je suis ta mère. Si tu veux écouter ce qui a été dit, laisse cette fille car ce n'est pas du tout la femme qu'il te faut. » C'est donc ce que Tenno a posté sur sa page Facebook en story. Il faut rappeler que plusieurs personnes ont réagi face à cette publication de Tenno qui laisse clairement entendre que la maman de ce dernier n'était pas du tout d'accord avec sa relation depuis le début. Mais ce dernier, par amour pour Eunice, a poursuivi cela malgré les obstacles de sa mère, finalement, qui s'avéraient très importants. Voici donc le moment venu de regretter. Et quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les choses ne peuvent pas retourner comme avant. Juste qu'il ne se fait pas également trop tard pour tout arrêter. Si vous êtes d'accord avec cette version de Tenno, dites en commentaire ce que vous en pensez, abonnez-vous à la chaîne et activez également la cloche de notification pour ne plus rien manquer. À très bientôt.